Bonjour à vous mes chers et bienvenue pour ce 21e rendez-vous de l'année 2023. Anacarte, formes et archétypes, c'est ce que veut dire AFA. Nous sommes le lundi 22 mai. Nous avons commencé ce cycle de nouvelle lune dont je vous ai parlé il y a 2 ou 3 jours. Et nous rentrons cette semaine dans la rencontre avec l'Anacarte KANAA. Qu'est-ce qu'elle dit, KANAA? KANAA, c'est l'anacarte de l'intuition. Je vous en ai déjà parlé lors de la précédente gardienne, si vous avez écouté les cycles Solune, puisqu'elle correspond à la 4e gardienne que nous venons de passer, la gardienne de la fissure de l'univers. Alors cette semaine, nous allons colorier dans, si vous avez votre Anakonte à moi, sinon vous pouvez le commander, il est disponible, et nous allons dessiner notre KANAA, notre gardienne intérieure de la fissure de l'univers, celle qui nous permet d'avoir accès à notre intuition. Comment est-ce qu'on peut se relier à cette intuition qui va nous donner des pistes, surtout en ce moment où si le monde, si le sol est un petit peu mouvant, si on a du mal à trouver ses marques à l'extérieur, eh bien vous voyez, on a parlé d'Isis là pour la dernière nouvelle lune, ben nous sommes vraiment invités à trouver un outil qui va nous mettre en relation avec notre intuition. KANAA est relié à la louve. Alors moi je suis partie dans la forêt tout à l'heure en me disant que j'allais certainement vous faire le tirage en plein air parce que c'est la première fois qu'il fait beau depuis des jours et des jours, et mes pas m'ont ramené dans ma caravane. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je n'ai pas trouvé le lieu. Je le croyais aussi en marchant, qu'il y avait la possibilité que je croise un loup, et je me demandais quelle réaction je pouvais avoir, puisque aujourd'hui était le jour de KANAA, la louve, intuition, lune, connexion profonde. KANAA, elle nous dit, l'intuition c'est la connaissance, et il est nécessaire d'aller au-dedans pour entendre les cycles et le mouvement de la vie. Alors quelle est la question de KANAA quand on dit « je suis » avec KANAA, je suis certaine que, 3 petits points, et je note sans l'analyser l'idée qui jaillit. Si tout à coup, vous vous rencontrez et vous dites, tiens, voilà cette idée que j'ai, et que vous pouvez vous donner la possibilité de ne pas réfléchir à pourquoi cette idée, mais simplement la noter, ne pas l'analyser, simplement la noter. Je note l'idée qui jaillit. Et si vous voulez être inspiré pour colorier cette KANAA, alors moi je peux vous montrer, j'ai commencé, j'avais envie de refaire cette croix d'encre dont je vous ai parlé, qui est survenue tellement présente la semaine dernière, donc probablement que ma KANAA sera reliée très fortement, plus que d'habitude, à Isis. Et puis vous pouvez aussi aller ici dans la playlist Poésie des archétypes, parce que vous avez toutes les illustrations de KANAA, et ça peut vous aider évidemment à colorier la vôtre. Alors je vais vous faire le tirage évidemment de cette carte, c'est ça qui compte là, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir parler à KANAA. Et je ne vous l'ai pas dit, mais elle est reliée dans le tarot, hop là, à la force. 11e carte, c'est la 11e, hein, KANAA. Donc 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10, 11, vous voyez, on est aussi ici dans l'arbre de prendre, dans le jardin de la connaissance. Et KANAA, même si c'est l'intuition, elle dit qu'il y a une nécessité, si on trouve ces énergies formidables qui vont nous mettre en mouvement, de les matérialiser dans la matière. Qu'est-ce que ça correspond bien aussi à ce cycle du taureau que nous vivons et qui nous demande de mettre toute notre sensibilité, notre délicatesse, notre féminin, notre intuition au service de la nouvelle matière. La force, dans le tarot, elle parle de maîtriser nos pulsions, vous voyez, comme cette femme, elle a la capacité à faire ouvrir tendrement la bouche à cet animal. Il ne va pas la mordre, mais elle va plutôt le nourrir d'autre chose que de la pulsion et de l'agressivité, mais au contraire, peut-être lui donner accès à une forme de nourriture beaucoup plus spirituelle dans sa matière charnelle. Et je vous renvoie également, hop, je vous mettrai le lien, je vous renvoie également à la playlist du tarot où je parle de cette carte, la force. très intéressante, parce que c'est là que vous pouvez puiser votre énergie. Alors, puisque nous en sommes là, je vais vous proposer tout de suite le tirage de Kanaa qui va vous donner des pistes simplement pour vous relier à votre intuition. J'ai toujours ces 4 jeux, un peu dans le désordre, mais ce sont les 4 jeux que j'utilise pour vous donner, là, en 3 minutes, ben la voilà, regardez. Première carte qui nous dit, comment est-ce que je vais aller rencontrer mon intuition? Eh bien, en faisant preuve de courage. C'est pas quelque chose qui est forcément inné. Quand nous avons peur, nous allons essayer d'analyser, essayer de trouver des pistes et des solutions pour juguler cette peur. Ah, voilà Marie-Antoinette, viens ma pépette, viens, viens me voir. Excusez-moi une seconde, je vous la porte à Marie-Antoinette. Viens. Hop là. C'est mon amie très présente du moment. Viens Marie, allez viens. Donc du courage, c'est ce qui nous est demandé pour essayer d'écouter notre intuition sans avoir à l'analyser, sans la nécessité de tout de suite trouver des pistes. Juste écoutez votre intuition, notez l'idée qui jaillit. En atout, en force, voilà ce qui nous est conseillé pour nous relier à notre intuition. L'ermite. Prendre le temps d'être seul, c'est aussi se retrouver avec soi-même. C'est considérer ses croyances, ses idées, ses opinions et se décharger de ses émotions. Et vous voyez, nous avons beaucoup parlé d'Isis, et bien plus que jamais en ce moment, peut-être que vous le ressentez aussi, nous avons une nécessité d'être, et là je fais un clin d'œil à ma petite Marie-Lou, on en a parlé ce matin, une louve solitaire, elle n'est pas du tout exclue de sa tribu, elle n'est pas exclue de son clan, mais il y a un moment où elle va devoir puiser dans la force de ses mamelles, dans son introspection, une nécessité de rencontres pour entendre des voix qui vont lui la guider. Voilà ce que nous dit cette carte en atout. Elle dit, n'hésitez pas à accepter cette nécessité de solitude que vous ressentez parce que c'est la voix pour vous rencontrer, c'est la voix pour entendre la voix. Alors maintenant, c'est plus, Marie-Antoinette, c'est Paulette. Alors, la difficulté, la voici, le piège enfermement, tourment et doute. Évidemment que quand nous faisons demi-tour pour entrer dans notre château intérieur, nous avons toute une panoplie, on va dire, tout un costume d'inquiétude qui va tout à coup jaillir, c'est-à-dire pourquoi je suis seule, qu'est-ce que c'est cette solitude ? Est-ce qu'on ne m'aime pas? Est-ce que j'ai pas de place dans le monde? Est-ce que je suis enfermée, dedans? Est-ce que c'est ma faute? Etc, etc. Regardez toutes ces petites idées piquantes qui jaillissent au moment où vous avez envie d'être seul et qui pourraient vous empêcher de vous rencontrer vous-même. Comment est-ce que vous pourriez faire pour écouter ces petites voix, parfois paniquer et leur dire « c'est ok, c'est ok ». C'est ok d'être seul, c'est ok de ne pas avoir envie de parler à quelqu'un d'autre, c'est ok de ne pas avoir envie de partager, c'est ok de rentrer à l'intérieur et d'être effrayé parce que certaines choses m'ont fait peur. Et puis comme elles m'ont fait peur et que c'est du passé, je peux peut-être juste observer la peur que j'ai ressentie sans la vivre, sans être la peur. Alors quelle est la solution pour rencontrer cette intuition sans être enfermé dans nos peurs et nos doutes? Le bon sens. Voilà, il ne s'agit certainement pas de partir planer dans d'autres sphères. Personne ne propose de « va écouter ton intuition en te reliant à des mondes parallèles, bla 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 ». Non, non, l'intuition c'est quelque chose d'extrêmement tangible. C'est à la fois notre cœur, notre corps et notre âme qui tentent de nous passer un message. Notez l'idée qui jaillit. Et je m'arrête là pour ce tirage que je vais vous prendre en photo évidemment. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que je vous avais indiqué dans l'agenda, où est-ce qu'il est mon petit agenda? ici, que je ferai un zoom. Non, je ne ferai pas de zoom. De toute façon, en ce moment, je suis heureuse de venir vous rencontrer, de passer ce temps avec vous, mais la louve solitaire qui est en train de traverser, on va dire, son chemin, sa difficulté et son épreuve, ne peut pas rentrer tout à fait en relation directe. Mais j'en profite pour vous dire que si cet été, j'ai enfin réussi à surmonter cette épreuve physique et de santé, évidemment que je commencerai à proposer des réunions à Cervos où nous pourrons éventuellement partager tous les modes de tirage qui existent dans le mode d'emploi. Et là, nous parlions des cycles des 7 et cycles de Saturne, mais nous parlerons évidemment des déesses, nous parlerons des roues de vie, nous parlerons du comportement habituel négatif à changer. Et peut-être que vous me rejoindrez ici pour apprendre ce merveilleux outil que j'utilise tous les jours et que je me réjouis de partager avec vous. 11h11. 11 minutes 11. Je vous embrasse.